Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha de Balak, nous parle d'une histoire rarissime. Une histoire qui s'est passée une seule fois dans la Torah. Une histoire qui apparemment nous demande de méditer, de réfléchir. Quel enseignement et quel est le but de répéter cette histoire chaque année? Nous raconte comme quoi Balak, qui était un antisémite notoire, voulait tout faire pour maudire le peuple juif, se débarrasser du peuple juif. Il invita ce fameux grand prophète qui existait à l'époque, Bilam, le fils de Béor, en lui demandant à plusieurs reprises de venir pour maudire le peuple juif. La Torah nous raconte comme quoi Dieu, à plusieurs reprises, fait comprendre à Bilam qu'il n'est pas d'accord et qu'il ne veut absolument pas qu'il aille dans cette mission. Et une fois que Bilam avance dans cette mission, il fait savoir à Balak qu'il ne pourra seulement dire les paroles que Dieu lui demande de dire. On voit comment Dieu, à plusieurs reprises, envoie un ange qui se tient sur la route et qui ne laisse pas cette ânesse de Bilam avancer avec Bilam sur elle. Jusqu'au point que Bilam n'est pas au courant, ne comprend pas. Il décide de taper son ânesse. Et après ces trois reprises, l'ânesse ouvre sa bouche en lui disant « Pourquoi me frappes-tu? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui j'étais désobéi? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé ?» Et voilà qu'on voit ici un dialogue bizarre entre une ânesse et Bilam. Et juste après, la Torah nous raconte qu'en fait, Dieu, il ouvre les yeux de Bilam et il voit devant lui un Malach Hashem, un ange de Dieu qui se tient devant lui et qui lui dit qu'est-ce que Dieu, il attend de lui et qu'il ne pense pas un instant qu'il peut avoir le pouvoir d'aller maudire le peuple juif. Nous savons très bien comme quoi Dieu ne fait pas de miracles en vain. Dieu ne change pas les lois de la nature sans aucun but, sans aucune raison. Quel était le but ici tout d'abord de faire parler une ânesse? À tel point que dans les maximes de nos pères, c'est écrit que ça avait été décrété depuis les 6 jours de la création, qu'il arrivera un moment dans lequel Dieu ouvrira la bouche de l'ânesse avec Bilam pour qu'elle lui réponde. Pourquoi un tel changement dans la création du monde? Et pourquoi les choses ne sont pas passées de manière inversée, par exemple? Au lieu de faire en sorte que cette ânesse parle à Bilam. Depuis le départ, Bilam, en allant en route, il aurait pu voir cet ange qui allait le prévenir et l'avertir de ne pas continuer dans la route. Et si jamais il continue, qu'il ne pourra dire seulement les choses que Dieu attend de lui. Pourquoi les choses devaient se passer de manière différente? Ce Shabbat, en 1973, le Rabbi donnait une explication merveilleuse en nous donnant la compréhension quelle était la logique derrière cette histoire de l'ânesse. La logique est que Dieu voulait tout faire par sa miséricorde et par sa bonté d'éviter que Bilam fasse une erreur, d'éviter que Bilam se trompe, d'éviter que Bilam aille faire une faute. Ah, a priori, on parle ici de quelqu'un qui est aussi mal que Bilam, qui n'a aucune autre attention que de vouloir maudire le peuple juif. Néanmoins, Dieu, il est prêt de changer les lois de la nature pour pouvoir faire en sorte que Bilam n'aille pas faire cette bêtise. Et c'est justement l'ordre chronologique que la Torah nous dit, que tout d'abord, Dieu changea les lois du monde, ce qu'on appelle les lois de la nature. Oui, effectivement, une ânesse en général ne parle pas avec un être humain. Mais une fois que Bilam n'a pas compris le message du fait qu'elle s'accroupillait, du fait qu'elle ne voulait pas avancer, alors Dieu décida de changer les lois de la nature en ouvrant la bouche de l'ânesse pour qu'elle commence à parler avec Bilam et lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il avance. Mais ça, c'était le premier niveau. Le niveau le plus élevé, c'est que si on peut dire Dieu changea son comportement lui-même. Car Bilam, jusqu'à présent, en tant que prophète, avait l'habitude d'avoir la prophétie seulement pendant la nuit, jamais pendant le jour. Le fait de voir un ange de Dieu devant lui, c'était une sorte de prophétie pour Bilam, et c'était la première fois qu'il avait cette capacité, ce pouvoir, de prophétiser en pleine journée. Et ça, c'est quelque chose, si on peut dire Dieu a changé son propre comportement, puisqu'il n'avait pas compris le message précédent. Puisqu'il n'avait pas compris le changement, les lois de la nature qui avaient été faites spécialement pour lui, Dieu a décidé de changer son comportement envers Bilam, en lui permettant de se prophétiser aussi dans la journée. Tout ça pour avoir l'espoir que peut-être, grâce avec tous ces changements, il changera son comportement, n'ira pas maudire le peuple juif et finira par les bénir, comme on a vu dans la fin de l'histoire. L'enseignement majeur que nous apprenons de la paracha de cette semaine. Combien nous devons tout faire pour pouvoir chercher à aider un autre juif? Même si c'est quelqu'un qui est tellement éloigné, comme Bilam. Bilam était un ennemi du peuple juif, un antisémite, quelqu'un qui ne méritait pas qu'on fasse tellement de changements pour lui. Et néanmoins, on voit qu'à trois reprises, Dieu d'abord envoie un ange pour l'avertir. Après, il ouvre la bouche de l'ânesse pour parler avec lui, lui faire comprendre qu'il ne doit pas aller dans cette mission.
Et finalement, il ouvre les yeux et il voit cet ange de Dieu qui se tient en face de lui. Combien plus forte raison nous devons tout faire pour aider un frère juif, pour aider un autre juif qui n'est pas forcément dans le milieu pratiquant religieux, qui n'a pas eu cette chance d'avoir cette éducation, qui ne sait pas exactement comment et pourquoi faire telle ou telle mitzvah, telle ou telle fête, tel ou tel commandement, tel ou tel devoir que Dieu attend de chacun d'entre nous. Combien on a le devoir, nous aussi, de changer nos habitudes, de tout faire pour vouloir l'aider, même si ce n'est pas seulement une fois, même si c'est à plusieurs reprises. Et grâce à ça, nous sommes garantis de voir la réussite dans cette action. Et d'ailleurs, ce Shabbat, c'est aussi le 17 Tammuz. Même si le jeûne du 17 Tammuz, la période de 3 semaines, commence à partir de dimanche. C'est justement la mission dans laquelle la Torah nous dit que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Combien nous devons rajouter dans cet amour gratuit envers un autre juif qui n'a pas eu cette chance de pouvoir apprendre ou qui ne sait pas exactement le pourquoi du comment. Comment nous devons tout faire pour lui enseigner, pour lui amener la beauté et la joie de notre Torah et la joie de notre tradition. Grâce à ça, faire venir Mashiach très rapidement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.